Bonjour à tous, force de faire des vidéos cette semaine, je vais finir par faire une petite, un petit montage quand même. Pour la petite histoire, on est mercredi et depuis le début de la semaine, depuis lundi, je suis en formation sur Nîmes, enfin à côté de Nîmes. J'habite à Clermont-l'Hérault, ce qui me fait tous les jours 92 km exactement, que j'effectue tous les matins et tous les soirs. 92 km aller, hein. Donc 92 retours, donc 184 pardon, tous les jours, que j'effectue avec ma petite Varadero. Alors, le GPS me fait passer pour les petites routes que je suis pas très habitué à prendre. Genre, par exemple là je rejoins Canet, premier village à traverser. Canet à côté de Clermont-l'Hérault. Hein. D'habitude je passe vers Clermont-l'Hérault et je descends. C'est vrai que c'est des grandes lignes droites donc on a l'impression que c'est plus rapide. Et finalement, le GPS lui m'a dit non non, plus rapide c'est pas là. Tu t'en vas à l'opposé et tu reviens par des petites routes qui sont relativement sympathiques. Vous allez vite voir d'ailleurs. Hein. Et au final, ben, c'est à peu près le même temps, sauf que tu te payes pas les ronds-points devant les supermarchés, ni rien, donc c'est quand même beaucoup plus sympathique. Hein. Allez, hop. Voilà. Donc là, c'est la petite route, la fameuse route dont je parle. Juste avant, c'est que de la nationale, c'est pas intéressant. Hier sur la route, j'ai roulé sur une plaque de bois en travers de la route. J'ai même pas eu le temps de l'éviter. Heureusement, il n'y avait pas de clou ni rien parce que j'aurais été mal intégré. J'aurais eu l'air une pleine route de crevaison. Ah, petit retour, hier j'ai mis des. Hier, je me suis aperçu. Il y a quelques semaines, j'ai mis des ampoules halogènes. Ça éclaire pas mal. Mais une des deux ampoules a claqué. Moralité, si vous voulez mettre de l'halogène, n'hésitez pas à mettre une marque. Peut-être ça claquera moins vite. Donc du coup, j'ai remis une sur un côté, j'ai mis l'ampoule d'origine. Parce qu'il est hors de question que je me balade avec une seule ampoule qui sert et qui marche. De nuit c'est pas gênant, c'est plus pour être vu, mais bon, acheter une ampoule si c'est pour en acheter une tous les deux mois, autant en acheter une bonne. Avec cette formation, j'ai calculé 184 km par jour, ce qui me fait. J'avais calculé presque aux alentours de 700 km dans la semaine. Est-ce que je me suis pas trompé? Oh, il y a du monde aujourd'hui. Oui, 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 vous avez bien entendu les amis parisiens. Là, pour moi, il y a du monde aujourd'hui. Ça peut vous paraître dérisoire. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je suis pas seul. L'humanité existe malgré tout. N'importe quoi. Mais je me supporte plus. La BM, la BM.